Ah. Oui, mais c'est... J'ai envie de tester une strat avec Eudora. Mais la strat que je veux tester, faut qu'il y ait genre démon ou dragon. En gros, avec Eudora, c'était quelqu'un du chat qui m'avait suggéré ça. C'était... Sur le tour des 5 gold, tu fais pas de pouvoir héroïque. À la place, tu vois un truc, t'achètes 2. Et en ne faisant pas de pouvoir héroïque, comme ça, tu fais ton... Enfin, tu fais ton... Tu finis ton pouvoir héroïque un tour plus tard et t'as le temps de monter taverne 5 pour récupérer un 6. Et j'aimerais bien tester ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait les 6 intéressants. Et les 6 qui font gagner, bah... C'est typiquement Caligos ou alors le démon qui mange tout. Là. On va faire ça. Tu sais, si OD stream ce matin, normalement à 10h il stream, il me semble. Ah non, c'est Maverick à 10h. Ouais, c'est Maverick qui stream à 10h. Du coup, je sais pas. Alors, attendez. Capture de fenêtre pour que vous ayez le tracker. Voilà. Hop. Comme ça, vous avez Firestone. Et j'enlève la capture de jeu. Et ça, je vais le décaler là. Voilà. Du coup, en 6, il y a... Omega Buster qui est ok, Elisa, en vrai il y a Elisa, il y a Sharga. On va quand même essayer d'aller chercher un 6, je veux tester la strat. Donc là l'idée serait de pas faire le pouvoir. Donc j'achète ça. Et ça qui pourrait être utile si jamais je... Je chope Elisa. On va tester, hein. L'idée, c'est aussi que grâce à ça, j'ai un meilleur board. Donc peut-être que je peux perdre un peu moins de PV. Eudora est devenue clairement meilleure depuis qu'il n'y a plus Hospice et des grenouilles qui sont fortes. Donc faut, c'est pour ça que j'ai envie de tester. Hein. Le but c'est de s'entraîner, c'est pas forcément de monter la cote. Après ça va monter naturellement parce que là je suis un peu en dessous de mon niveau mais. J'hésite entre pirate et chat. Pirate est meilleur. Donc là, je freeze à chaque tour. Level up pouvoir héroïque, level up pouvoir héroïque, level up pouvoir héroïque. Et quand on arrive sur les 5 goals, sur les tavernes 5, level up pouvoir héroïque, je récupère un doré, je le pose, je récupère un taverne 6. Et là, faut revendre 3. Je peux revendre... Oh putain, galère. Il faut pas que je fasse mon pouvoir, en fait. Faut que je passe taverne 5, je revends les deux là. J'achète lui, je le joue. Enfin, j'achète le murloc, je le joue. Je récupère mon taverne 6 et je revends un des murlocs que j'ai doré. Ouais, ok, c'est ça qu'il faut faire.
C'est ça qu'il faut faire. Faut pas que je fasse mon pouvoir tout de suite, sinon il va me manquer un gold. Faut d'abord que je fasse le chasse-marée doré et que je le revende pour faire mon pouvoir. Tu sais qu'il y a la suicide curve avec Eudora, tu vas chercher un 6 sans rater de HP. Tu vas chercher un 6 sans rater de pouvoir héroïque. Bah, comment tu fais? Effectivement, je peux recycler le pirate. Quand est-ce que je le fais? Je le fais au tour d'après. Tu peux level up et HP à chaque tour. Bah, ça va te chercher un 5, ça. Level up et HP à chaque tour, tu vas chercher un 5. Yep, et ça là. Ah. Oui, mais il faut que tu aies des tokens. Ok. Ça a l'air d'être une sacrée connerie, ça. Tu dois vendre deux trucs, du coup? Non, je pense que comme ça, c'est pas mal. Là, je prends 15 et maintenant, j'ai un bon tour. Ok, Jobraz, tu le Storybook Brawl. J'ai pas du tout, j'ai joué qu'une seule fois au jeu, donc je sais pas. Alors attendez, je vais faire ça. 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 Level up et ça. Je récupère un 6. Charlga, je pense. Je revends. Je fais mon pouvoir. Rafle l'or. Et deuxième Charlga. C'était pas mal ça. Est-ce que j'ai bien fait de prendre Charlga? Goldrin était trop lent. Oui, j'ai bien fait. Et donc là... Je perds le prochain combat, mais je peux prendre que 15. Et ensuite, faut plus jamais rien perdre. En vrai, il y a presque moyen que je gagne avec le rafle l'or.
Tu peux limite freeze l'hydre. Non, je pense que il y a des cartes comme Agamagan qui me font vraiment gagner de ouf. Donc je préfère les tenter. Oh parfait, on a tapé le bouclier divin. Parfait. C'était ok, je pense, mais ça méritait pas un gel, l'hydre. Oh, c'est n'importe quoi. C'était une journée qui commence bien. Bonjour. Une belle journée qui commence sur... Putain, il me bat lui. Sur Battleground. Non, il me bat pas. Entre parenthèses, tour 8. Twitch.tv/solarihs. Oh, un triple. C'est très grave ce qui se passe. Hop. Donc le plan c'est d'avoir l'héroïne dorée. Limite prendre Vaillefendre et Ara aussi, non? Ah,
Je les létale. Je vais prendre Amalgadon, je pense. Lui, je le veux pas sur le long terme. Parce que c'est un râle d'agonie et peut-être que je voudrais plutôt. Oh, je sais pas en fait. Oh merde, il était nul. Nul, nul, nul. Je pense que ça se tentait, parce que si j'arrive à avoir bouclé divin, je suis pas mal. Bouclé divin toxi. Incapable, joue le tour pour le grand maître. Merci Valdred pour ton abonnement. Pas mal la compo en face. Mais bon, 96% de létal. Juste un mec à chaque tour en fait. Ok, c'est Ara que je sais pas si je prends. Pour déclencher héroïne, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il faut revendre Amalgadon par contre. Il y a trop de trucs trop bien en vrai. Ça aussi je le veux. Peut-être pour l'instant, ça c'est le mieux. Pourquoi mettre l'héroïne si loin? Comme ça, elle fait anti-cleave. En fait, je vais peut-être mettre le baron tout de suite. Ouais, j'aurais pu vendre Amiral sur ce tour pour Vaillefendre, je suis d'accord. C'est catastrophe. Merci pour l'abonnement, le malvenu.
Y a Faucheur qui est pas dégueu aussi, mais. Je vais quand même prendre ça quand je vais triple héroïne, j'essaierai d'aller chercher Amalgam. Oh, ça y est, il y a un vrai board en face. Ça ne suffit pas. Léotard, après tes 6 heures de jeu, quel est ton verdict sur Mercenaires? J'aime beaucoup le PvE, pas trop le PvP. En tout cas, au début, la prise en main du PvP, je l'ai trouvé difficile. Et sinon, ça a l'air d'être tout à fait OK en free-to-play. C'est un peu un massacre cette game. Vraiment, j'ai jamais fait une game aussi expéditive. Pourquoi pas avoir pris Faucheur au tour précédent? Bah, je saurais pas trop où le mettre. À la place de Amiral, tu penses? En fait, j'ai déjà changé beaucoup de serviteurs en ajoutant Vaillefendre. Le fait que j'ai ajouté Vaillefendre, ça a pas mal affaibli mon board et je sais pas combien de temps il faut pour que le Faucheur devienne meilleur que l'Amiral. Mais tu vois, peut-être le tour où je mets le Faucheur, ça peut être un peu dangereux. Là, au fond, ce que je veux, c'est tripler ça, ça ou ça. Soixante % de létal seulement. Je pense qu'on est bon là. Ouais, on fait les 22. C'est drôle, la plupart des gens sont retournés en standard après le patch parce que la méta plaît beaucoup. Mais toi, tu y touches plus parce que tu disais que tu aimais bien ça avant les nerfs. Oh bah c'est juste que j'aimais aussi beaucoup Battleground avant les nerfs et j'aime tout, j'aime encore mieux maintenant. C'est plus Battleground qui me plaît que le ladder qui me plaît pas, hein.